Salut tout le monde, ici Calypso44. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé mon gamer tag. C'est rendu BKW sous son nom. Je suis dans la team BKW dans le fond. Puis c'était juste pour montrer quelques gameplays sur Rumble que j'ai fait. C'est des vidéos totalement au hasard, fait que c'est normal que ça peut couper genre avant la fin de la manche. Fait que c'était juste pour faire une petite vidéo de même pour montrer à MR Alex que j'étais encore là. C'est juste que j'ai pas tout le temps de faire des vidéos puis la motivation de le faire. Ça prend quand même un peu de temps à faire un pire montage. Malgré le peu de travail qu'on fait pour le montage, tu sais, faut choisir les bons morceaux de la vidéo, les bons moments, tout ça là. Comme pour ceux qui font des vidéos, ils doivent comprendre. Dans le fond, c'est juste une petite vidéo de 5 minutes, on peut dire, pour jouer du gameplay à Rumble. Pas grand chose d'exceptionnel, ça c'est sûr. Je fais pas des gameplays de fou non plus. Mais je vais peut-être partager avec vous les petits moments forts que je peux faire, tu sais, des affaires de même. Là, comme d'habitude, je sais jamais qui prendre en défense, fait que je dis que j'allais pas y cap-can. Sinon, moi je suis plus un attaquant, fait que en défense, c'est normal que je fasse des moins bonnes affaires, malgré que avec certains bonhommes, je suis capable de faire des bonnes affaires. Protégez les bombes. Aussi, comment je peux dire? J'ai remarqué que, comme d'habitude, il n'y a toujours pas de commentaires. Pour vrai, ça me donne plus vraiment le goût de faire des vidéos. Je suis pas mal sûr que MR Alex est pas mal du même avis. Comme on vous le dit, laissez des commentaires. Comme là, c'est moi qui ai décidé de faire la vidéo parce qu'à un moment donné, si j'en fais pas par moi-même, j'en fais pas par tout. Hein. Fait que, dans le fond, comme on vous l'a dit depuis le début, laissez des commentaires. Ça serait fun. Comme, je sais pas, dans pas long, au moment où c'est que je fais la vidéo, on est le samedi 29 avril. Présentement, moi, quand je fais la vidéo, en train de l'upload, il est 3h19 du matin. Disons que j'aurais peut-être du bon contenu à vous partager le 9 mai. Il va y avoir la DLC Hot Wheels à Forza Horizon 3. C'est sûr que je vais l'avoir. C'est déjà prévu tout. J'ai fait le transfert de licence avec un de mes chums, fait que tout que c'est qui a je l'ai. Malgré que des fois c'est un peu compliqué. Pas dans le sens du terme avec lui, mais dans le sens au niveau de la mémoire de ma console. Pour ceux qui me connaissent en vraie vie, j'ai une 500 gigs. Puis ça fait pas toute la job. T'installes 5 jeux, la console est pleine. C'est pour ça que je peux pas faire des vidéos sur n'importe quel jeu. Déjà là, Rumble, The Division, ça pogne au moins pas loin de 100 gigs. Puis avec le transfert à mon chum, ça m'a donné Ghost Recon Wildlands qui vient de sortir. Fait que déjà là, ça pogne pas loin de 150 gigs. J'ai Forza Horizon 3. J'ai. En ce moment, je suis en train d'installer Outlast 1 parce que je voulais le finir vu que le Outlast 2 est sorti. Si je l'achète, je vais sûrement faire des vidéos dessus. S'il n'est pas trop tard, avant que tout le monde le voit. Comme exemple, Squeezie est déjà rendu à l'épisode 2. Donc, pour cette partie, vous allez voir que je vais pas faire
des kills que je m'attendais même pas. Par contre, la façon comment que je crève, c'est vraiment, en bon français, à chier. J'étais enragé quand que c'est arrivé. Dans le fond, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Comme d'habitude, on va essayer de répondre à tout le monde. Déjà là, c'est pas vraiment compliqué vu que personne ne laisse de commentaires. Fait que ça va être pas mal tout. Fait que bonne journée à tous et n'oubliez pas le pouce bleu puis le commentaire. Bye tout le monde.